Et salut, salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour une vidéo unboxing, comme vous pouvez le voir, j'ai un gros paquet. Franchement, il est énorme. Mettez-moi ça. Donc, on a deux toiles qui viennent de la boutique Paint by Number Day. On les remercie énormément. Du coup, attendez, j'ai bloqué un truc. Donc, sur cette collab, nous avons... Nous avons un code pour le Black Friday. Voilà. Donc, je vais passer sur ceci. Voilà. Donc là, c'est Halloween. Je croyais vente flash, moins 50%. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les ventes flash, tiens, avant l'unboxing. Et là, il y a une promo Halloween. Mais donc, pour le Black Friday, l'équipe Paint by Number Day a préparé de bonnes affaires pour vous et vos fans. Ce qui suit est une introduction détaillée de nos promotions. J'espère que vous pourrez les ajouter à la colonne. Donc, en fait, on a un coupon de 8 euros sans limitation de montant. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle toile. Elle durera pendant un mois. OK. Et un nombre de 200 personnes. Donc, je pense que nous, vu la taille de la chaîne, on est bon. Donc, voilà. Alors, on va regarder les nouvelles arrivées un petit peu vite fait. Donc, comme vous savez, je mets toujours les plus récentes des plus récentes. Oh my god, il est trop beau ça avec les macarons. J'aime beaucoup les petits chats aussi pour Noël, c'est très choupinou. Celle-là aussi, elle est pas mal, mais on sait, vous savez, le 11 c'était, je n'en suis pas ultra fan. Oh, et elle est toile automne et printemps. Je sais qu'il y a hiver, et j'ai encore jamais vu l'été, mais j'aime beaucoup celle d'automne avec la petite. La petite citrouille. Voilà, on va vite regarder ce qu'il y a sur la deuxième page. Comme d'hab, hein, de toute façon, on commence à les connaître, les sites. C'est toujours la même chose. Alors là, c'est les promotions à 50%. La grenade peut être sympa à mettre à faire, mais je pense pas que ce serait quelque chose que j'afficherais. L'affiche, ça doit venir de quelque chose, mais je vois pas trop quoi. Le bâtiment, enfin, les deux bâtiments, j'aime pas. Alors, celle-là, pour Noël, elle est pas mal, hein. Voilà, regardez vite fait. Oh my god. C'est pas mal. Donc, on va se regarder ce qu'on a reçu. Donc, il y a deux toiles. Donc, on va commencer par la première. Hey. Donc, j'ai énormément envie d'éternuer. Pardon. Ah, voilà. Alors, on a 4 tresses de blanc avec cette toile. Et comme vous pouvez le voir, c'est une toile d'automne. Voilà. C'est une toile d'automne. Alors, vu les couleurs en même temps, on a pas mal de orange. Le rouge ici, il est très joli. J'aime beaucoup. On a du vieux rose. Enfin, brun, plutôt. Ouais, non, vieux rose, je dirais. On a pas mal de rose aussi. Et de l'autre côté. Le brun là, je suis pas très fan, c'est un brun un peu kaki. Ouais, on a des très belles couleurs. Alors, il y en a 34. C'est pas mal, 34 couleurs. On a ceci. Donc, il a l'air d'être pris dans le truc. Donc, ouais, pourquoi pas. Comme d'habitude, on a 4. 1, 2. Ah ouais, d'habitude on en a 5, là on n'a que 4 aiguilles. En même temps, je commence à avoir une sacrée collection d'aiguilles, donc c'est pas grave. Alors, toujours le petit papier explicatif, ça c'est sympa, sans plus. Du coup, la toile ressemble à ça. Elle était au prix de 12 et quelques, on va mieux la voir. Donc c'est une tasse avec des citrouilles.
Alors, j'aime bien quand même avoir une image de la toile assez grande pour pouvoir vous la montrer. Oh, oh my god! Oh my god, la taille! Oh là là! Ah oui, je comprends maintenant pourquoi elle est à 12 euros. La taille est énorme. J'avais pas fait attention. 50 sur. Je sais pas pourquoi 50 sur 50, je la voyais plus petite. Donc voilà. C'est une très très grande toile. Waouh! Attendez. Je vais vous montrer le design, j'espère. Ok, c'est celle-là. Donc, c'est cette toile-ci. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, pour l'automne, c'est très joli. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire cette année, je pense l'année prochaine, sûrement. Voilà. Donc, voilà. On a quand même pas mal hein, de petites citrouilles, la cannelle. Ça, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, cette épice. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me ferait trop, trop plaisir. Et du coup, je pense que c'est un café à la citrouille. Donc, oui, c'est un. Voilà. Donc, elle est quand même pris 13 euros, mais comme vous avez vu, elle est énorme. Et je pense que pour l'automne, dans un cadre, pour mettre dans la cuisine, ça peut être pas mal pour décorer. Alors, clairement, c'est pas un truc que je laisserai tout le temps. Par contre, je ne sais pas si je ferai la zone blanche. Niveau de l'impression, elle est nickel. Franchement, je regarde un peu avec vous. Comparé à d'autres sites, les. On peut pas se tromper quoi sur les impressions des symboles. Ce qui est chouette. Et ici. Je vois pas trop de symboles qui se ressemblent. Le rond. Oh non, il y a pas moyen qu'on se trompe dans ça. Voilà, donc ça c'est la première toile. On a la deuxième toile ici, que je vais ouvrir également. My God. Alors, ici, on a pas mal de tresses. En fait, je m'attendais pas à avoir autant de fils. Donc, comme d'habitude, je regarde le design, je regarde jamais la taille des toiles. Du coup, j'ai trois noirs, un bleu marine ici. On a une couleur, je dirais bordeaux. Ouais, bordeaux tirant un peu vers le rose. Du brun et du orange. Alors, clairement, au niveau des couleurs, on est pas mal, hein. Je sais pas combien de couleurs il y a en tout. Alors, celle-là, elle n'est pas vraiment de saison. C'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc, on a 40 couleurs. Là, on a des bruns. Et c'est vrai qu'en regardant, on pourrait. Enfin, il y a quand même pas mal de rouge. Mais c'est quand même des couleurs qui ressemblent. Enfin, qui. Attendez. Hop! Voilà, c'est quand même des très jolies couleurs qui ressortent. Hein. On a beaucoup de beige, donc on peut deviner qu'il y a un visage sur cette toile. On a du brun là, on a le bleu, on a le bleu. Par contre, ici, on n'a qu'un seul fil de 20, on n'a pas de tresse. Généralement, quand ils nous donnent un fil, c'est qu'il y a une tresse. Bon, je suppose que voilà, ah, on a un fil de rose ici. Aussi un fil de ouais bon, ça doit être sûrement pour peut-être pour faire du backstitch, je suis pas sûre qu'il y en ait sur la toile. Franchement, en fait, j'ai vu cette toile et j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle. Alors ici, on a le kit avec une de on a cinq aiguilles là. Alors oui, donc toujours le papier un peu froissé. Va comprendre. Donc, est-ce que. Voilà. Oh my god. La toile, elle fait combien? 50 sur 60, ok. Et là, on a le visuel. En fait, c'est un personnage.
Et je la trouve je la trouvais magnifique. Il y avait des renards et tout. Celle-là, je crois qu'elle était au prix de 10 ou 12 euros aussi. Pas très, très cher pour une toile de cette taille, en fait. Niveau des symboles. Alors, niveau des symboles, il y en a 40. Est-ce que je pourrais en confondre? Alors, je vous les montre tous. Vous, ça vous arrive d'ailleurs de confondre des... Oula, je la repérerai après. De confondre des designs comme ça. Oh là là. La taille de la... Par contre, la taille ici de la toile me semble correcte. Elle ne me semble pas si grande que ça. Ouh. Voilà. Donc, on peut apercevoir le visage ici. Ah, donc, elle a son visage. Il y a toute sa chevelure. Il y a toute sa chevelure. Voilà. Et ici, on a... On a pas mal de symboles. Hein. Alors, niveau des impressions, c'est vrai que c'est du 14... Celle-là, c'est du 14-7, donc l'impression est plus petite. Ouais, d'accord. Alors, le 21, c'est ça, le rouge dans le rond, et le 15. Le 15, il est là, ok. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous arriverez à voir correctement, mais là, on a le 15 et là, on a le 21. Donc, je pense que ça va. J'ai eu un petit peu peur en mode, avec un petit point comme ça à l'intérieur, ça peut vite se confondre. Franchement, elle est vraiment, mais vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, voilà. La boutique Paint by Number Day qui m'a envoyé ces deux toiles, je te remercie énormément. Je vous ai fait l'unboxing des deux. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Donc oui, niveau de la livraison pour le site, c'est gratuit si vous prenez à pas une fois. Pardon, désolé, je me suis perdue. Si vous commandez pour 50 euros, la livraison est gratuite. Oui, les réductions peuvent être cumulées. Donc, par exemple, si vous achetez une toile, donc une pièce, c'est 5% de réduction. Si vous en achetez 3, vous avez 10%. Si vous en achetez 5, vous avez 15%. Si vous en achetez 7, vous avez 20%. Et si vous en achetez 10, vous avez 25%. Donc ça, c'est sur le total de la commande, il me semble en tout cas. Donc ça... Plus le code Black Friday-8, tout sera dans la barre de notre description en dessous qui donne 8 euros de réduction, qui peut être pas mal, hein. Par exemple, si vous avez une toile ici qui vous a plu, les liens seront dans la description. Par exemple, la tasse qui a 12,70 euros, ben vous avez moins 8 euros, donc elle revient à 4,70 euros, moins les 5%. Par contre, oui, j'ai pas compté les 5%, vous savez, moi, les maths, c'est pas trop ça. Je regarde si j'ai parlé de tout ce qu'ils m'ont envoyé dans le mail, en fait, hein. Je suis désolée, pour être sûre de rien oublier. Ok. Mais du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes choix. En fait, du coup, c'est vrai que je voulais des toiles en peu de saison à vous montrer. Mais franchement, je suis tombée amoureuse de ce portrait. Donc voilà, je ne sais pas trop quand on le fera. N'oubliez pas, on se retrouve sur Twitch pour les faire d'ailleurs. J'évite de trop les travailler hors live. Donc à très bientôt. Bye bye!